Hey, salut YouTube. On nous demande de choisir un stand pour le 3. On va prendre un petit stand. Sinon le mec meurt et tu l'entends pas. Ben oui, tout à fait. Donc voilà. Les jeux. Donc Gulag Simulator s'est vendu à perte. Les Sims a très bien marché, a plutôt bien marché. Le jeu numéro 12, La Rue vers la mort. Les Jeux Olympiques de Moscou, Nikita Passion Mode, ça a été un gros flop. Le jeu numéro 8, Gorbatchev l'Explorateur. Bon, toi tu vas prendre des congés. Rechercher. Cinématique simple, graphisme 2D, monde ouvert. Un jeu sur les ninjas. Ninja Action. Ninja Action, c'est pas mal. Ça peut le faire. Ça peut grave le faire. Ah, on a vendu. On est sur le 3 avec Gulag Simulator. C'était pas le meilleur jeu du monde. Du coup, on va faire pas beaucoup. Ça monte gentiment, mais bon. Quand même, 30 000 personnes. 40 000. 40 000 personnes pour tester Gulag Simulator. Bon, on n'est pas entré dans le top 100, logique. Formé, ne vous répétez pas. Allez, finis ton congé, toi. Je veux te former un petit peu. Formé. Ne vous répétez. Code incomplet. Ah, la PlayStation. Ok, il faut développer sur PlayStation. C'est super important. Nouvelle recherche disponible, j'ai pas vu. Putain de merde, j'ai cliqué trop vite. Ça m'apprendra. Rechercher. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Le monde ouvert, cinématique. Les suites! Les suites! Il faut qu'on fasse la suite. Il faut qu'on fasse une suite. Donc, du coup, on va rien rechercher. On va développer un nouveau jeu. Donc, deux thèmes. Sur PlayStation. Elle est pas sortie. Elle est pas encore sortie. Merde. Du coup, on va faire du travail de Clodo. Travail sous contrat. Go. Mais écoute, Windus, je serai pas là pour le voir sûrement, parce que dans les 3 mois, je pense que tu vas changer de PC. Mais go les RPG sur Play. Oui, tout à fait. Je pense que ça peut le faire, les RPG sur PlayStation. Ok, le contrat a été rempli. Tout mon travail sous contrat. logiciel sprite sheet. Sprite caca. Excellent. Encore un travail sous contrat. Tu m'en verras lardi, ok. Ok, développer un nouveau jeu, donc... ouais, mais j'ai pas... ça m'emmerde. J'aimerais que la PlayStation... Le genre populaire simulation. Développer un nouveau jeu. Petit jeu. Thème. Qu'est-ce que j'ai fait comme thème récemment, là? Historique des jeux. J'ai fait une simulation, déjà. Simulation. Ça va pas. Faut arrêter les jeux de simulation. Simulation. Aventure. Action. Casu. RPG. On va faire un RPG, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Hein. Et sur les RPG, on est pas mal. Ouais, mais je veux le garder pour la play, le RPG. C'est terrible. Tu dirais que t'es VOD avec quoi? Bah avec XSplit, hein, directement. Je fais un local recording derrière et paf. Les suites de jeu, oui, mais les suites de jeu, j'ai pas les points de recherche encore. Simulation, aventure. Fais un western, mais moyen en RPG. Mais oui, mais le RPG, je veux le garder pour quand la play sortira, en fait. Du coup, c'est relou. Je vais faire un jeu d'action. On va pas s'emmerder. Créer un nouveau jeu. Développer un nouveau jeu. Donc, un jeu d'action. Post-apocalyptique. Attends, non, Ninja Action. Voilà, Ninja Action, c'est ce que je voulais faire. Sur... ah, mais elle est sortie, la PlayStation. Bah, c'est bon. Bah, du coup...
Fantastique RPG. Et on est bon. Il coûte combien XSplit? Je sais même plus. Ou un Western RPG? Non, Fantastique RPG. C'est une très bonne c'est un très bon combo sur PlayStation. Là, on met tout dedans. On met tout dedans. Graphisme 3D. C'est parti. On met tout dedans. Le moteur pas important, le gameplay RPG, l'histoire est super importante. Le gameplay, on va le baisser un petit peu. C'est le jeu de votre vie. Putain, c'est sans... Ah, oh, le marché s'est équilibré. Investir 50k, oui, prends mon argent. Les dialogues, très important. L'intelligence artificielle, on s'en bat un peu les reins. Design du niveau. Je pense qu'on va mettre un 50-50 sur Design Intel. Design du monde, plus. Graphisme. Tac! Les sons. On peut rester comme ça. Boum. Ça va le faire. Ça va le faire. Je sens un bon jeu, là. Ça va être un bon jeu. Petite correction de bug. Des petits ajouts technologiques. Terminé. Allez, on fait ça, sinon c'est la ruine. Ça va être la ruine si on perd. Mais j'y crois. Les graphismes en 3D V2. Allez, ça va le faire. Je l'ai nommé jeu numéro 15 encore. Je suis débile. Et un 9. Allez, allez. Oui, oui. C'est qui le taulier? C'est qui? Allez, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Putain, Rusli aux États-Unis, si je l'avais nommé, quoi, ça aurait été magnifique. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On a fait un jeu culte en plus, putain. Jeu culte, jeu numéro 15. Oh, c'est scandaleux. C'est scandaleux, putain. Oh, je suis couvert de honte. Je suis couvert de honte. Ah, oh, je suis dégoûté. Putain, jeu numéro 15, mais putain, mais quelle grosse merde. Ah, oh, quel idiot. Mais quel idiot. Design du niveau semble être relativement important pour ce type de jeu. Mais on aurait mis un peu plus dans le design de niveau. Ça aurait bien marché. Un tonnerre de bonnes critiques et de joueurs sur existé. Les professionnels de l'industrie disent que le jeu numéro 15 est l'un de ces rares jeux qui établissent un nouveau standard de qualité pour les jeux à venir. Putain, 3 millions d'eux. Oh, voilà, on a fait entrer Poutine Soft dans l'histoire du jeu vidéo. Et ça, c'est une nouvelle magnifique. Je suis aux anges. Vendre un demi-million de copies du jeu sans l'aide d'un éditeur. Tenez les éditeurs, voilà ce que je vous mets dans la gueule. Bisous. Si ce jeu était de la musique, il serait disque or. Oh là là. Ah ben oui, rip. Évidemment, rip. Là, je suis pété de thunes. Je n'ai même plus besoin de streamer. Allez, salut, des bisous. Hein. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Voilà. Je suis le meilleur. C'est tout. Je suis le meilleur. Non mais je déconne. Dans 2 mois la Vena, il a été en live tellement il avait honte. Dans 2 mois la Vena Gear sera retirée du marché. Très bien. Putain, 711 000 exemplaires. Merde. Allez, on va développer une petite suite. Hein. On va être bon. Alors là, je pense qu'on peut faire un gros coup. On va prendre un grand stand pour le jeu. On va faire un grand stand. Ok. Pour jeu numéro 15. Là, je sens un engouement de fou. Et j'aurais dû faire un marketing sur le jeu. J'y ai pas pensé. Sur le coup, j'y ai pas pensé. On va embaucher un deuxième mec. On va mettre 500 000 de budget dans les algorithmes complexes. Ok. Twitch fail computation. Alors, sur quel jeu il fallait la suite? Rafraîchissez-moi la mémoire. Oh putain, le jeu numéro 15. On va faire un engouement de folie. Il va y avoir un monde fou. Allez, on y croit. On veut les 100 000 personnes. On a les 100 000 personnes. Allez, oui, 200 000.
presque 200 000 personnes. Ah, on n'est pas rentré dans le top 100. Mais bon, c'est 1,5 million le stand. On s'en fout, on est pété thune. 395 en techno, 503 en techno. Celui-là, il est beau. 25 000, 18 000. Celui-là, il est magnifique. Et SIP, 755. On prend. Instant. Tu vas faire la petite formation aux nouveaux arrivants. La Vena a été retirée du marché. Ici, nous allons faire une petite... une petite recherche. Donc, il faut qu'on fasse la suite de quel jeu? Je me rappelle plus. Développer une suite. Donc ça, pas de suite. C'était quoi? C'était les Sims qui avaient une suite attendue, je crois, non? C'était les Sims? Oui. On va développer une suite pour les Sims. Ville simulation. Donc du coup... les Ruskov. Non, faut que je l'appelle pareil. Faut que je l'appelle pareil. On va faire... Ah, oh, c'est dommage qu'on puisse pas faire un DLC. C'est triste. Les Sims. Français. Sims. Hop. Ok. Donc on va faire les Sims 2. Améliore la 3D. Oui, tu as raison. Oui, mais pour améliorer la 3D, Malheureusement, il me faut 40 points de recherche, donc ce n'est pas suffisant. Et puis, il faut que je finisse la formation de monsieur. Allez, tu vas faire une petite formation encore. Tu vas faire un petit... Il faut que je te fasse monter en technologie encore plus. Un petit code incomplet, parce que je sais que t'es balèze. Je peux pas améliorer la 3D, malheureusement. Les contrats intermédiaires ont été débloqués. Trouve un travail sous contrat. 28-48. Ouais, on a un mec fort en techno. Donc du coup, c'est worse. On va faire ça. Le temps qu'il fasse son machin. Ok. Contrat rempli. Putain, faudrait que je le mette en congé, lui. Il est au bout de sa vie. Requil pro... Ok, on a Mich, on a Polo qui est revenu. Sip, il est en train de se former gentiment. Petrushka vs Poutine ont créé un jeu amateur. On va les laisser faire. On va les laisser faire. Donc nous allons développer notre suite des Sims. Donc les Sims 2. Un petit jeu. Bisous, qu'il pro, merci d'être passé. Donc ville simulation, tout public. Avec le Stalin Engine sur PC. Les Sims, ça a toujours été sur PC, ça n'a jamais été sur console. Et nous allons faire suivant, graphisme en 3D. Et c'est parti. C'est dommage que je puisse pas upper les graphismes, quoi. C'est peut-être pas le meilleur moment, en fait. J'ai peut-être fait une connerie. L'histoire est quête pour un jeu de simulation, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, non, non. C'est pas la peine. Ça va pas le faire. On va prendre des risques, hein. On va faire du marketing. Mais accepter. On va être modeste. On va pas trop faire d'engouement, je pense. Parce que ça va être un gros flop. Pour les Sims 3, oui. On va faire ça. Ça va être un flop. Ah. Je suis fier de vous compter parmi nos fans. Nous avons gagné 893 fans. Magnifique. Allez, soyons fous. Graphisme, design du monde, on s'en fout. Le son ici, avec des sons mono. Je sais pas si ça va être un flop. Il faut que je recrute un designer. Je commence à sentir le manque du design.
Bah, niveau technologique, le jeu est très bien. Ça, y a pas à dire. Mais, il va y avoir des soucis. Ah, Paul, il a une augmentation. Multijoueur, progression des personnages. J'aurais fait la mienne en russe, ce con. Oui, c'est les Sims 2. Allez! Mais je suis trop bon! Je suis trop bon, putain! Quoi? Quoi? Oh là là! Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Il est mal noté. Il est très mal noté. C'est pas un flop. C'est pas un flop, mais c'est limite. Hein. C'est vraiment limite. Il est classé 24e des ventes. C'est dommage. A reçu une excellente réception. Bon. C'est déjà ça. Faire un rapport sur le jeu. Bon, il a 8 de moyenne. Salut Azuki. Il a 8 de moyenne. Pff, ouais. C'est pas mal. Design du monde semble être peu important pour ce type de jeu. Bah, très bien, on le saura pour la prochaine fois. Il nous faut les moteurs en 3D. Le graphisme 3D. V2, 40 points de recherche. Oh. Mais où tu veux que je trouve tout ça? Travail sous contrat. 29,50, c'est faisable. Avec le mec en techno, c'est faisable. Oh, largement. Ouais, donc on a le design qui pêche. Hein. Merci pour votre rapidité, nous allons faire un virement. Ok. Donc, Polo, je suis désolé, mais tu vas dégager. Non. Liste du personnel. Polo, t'es mauvais. Oui, t'es très mauvais. Parce que j'ai deux mecs forts en technologie. Donc, Polo, t'es viré. Oui. Nous allons embaucher un nouveau mec. Nous allons mettre 500 000, ça marchait bien. Donc, démographisme. Je suis désolé, Polo, mais tu sers à rien. $300, $200, $140, $375. Pas ouf, hein. Pas ouf. 22 000 par mois. 29 000. 158 de vitesse. 262. C'est lui. C'est l'homme qu'il nous faut. Formé. Formation nouveaux arrivants. C'est l'homme qu'il nous faut. Et j'ai soif. La Tess semble être une console impressionnante. Nanana. Ok. UV Red, exactement. Tu vas au goulag, tu te casses. Bienvenue à Bill. Et puis les Mexicains en Russie, ça va quoi. Hein. Ce bon vieux Bill. Formé. Tu vas acquérir de la rapidité. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas. Ouais, ça. De la cristalline. Eh oui. La G3, pff, un petit stand. Un petit stand. Est-ce que rechercher? Donc graphisme en 3D, il faut 40 points de recherche. Ok, travail sous contrat, c'est parti. Il nous faut des points de recherche en fait, ça serait bien. Ok. Travail sous contrat. 16,7, 16,68. Easy. C'est faisable largement. Je pense. J'aurais peut-être dû attendre que mon mec ait fini sa formation. La NES 64. Le 3 sur les Sims 2. Je pense que ça va pas faire un bel engouement. Le hashtag je suis Polo. Putain, vous êtes les pires. 60 000. Ouais. Legit. C'est bon, ça le fait. Large. 82K en virement. Trouve un travail sous contrat. C'est parti. Il faut qu'on sorte un jeu. C'est terrible. Il faut qu'on sorte un nouveau jeu. Travail sous contrat encore une fois. 13, 14, 48, 30. Go.
On a un designer maintenant, donc normalement on devrait pas avoir de soucis. Mais il faut que je les fasse travailler ensemble, les Gugus. Ouais, le PC du nouveau, le mec il travaille sur un... sur un écran plat. Les jeux de type simulation sont très populaires en ce moment. Go. Simulation. Dernier jeu qu'on a fait. Non, raté. Super. Historique des jeux. Ah putain, j'en ai fait un déjà. C'est pas bon, c'est dommage. C'est dommage. Une tablette. Bon, nouveau jeu. Ah, j'ai... Attends, j'ai mes points de recherche, c'est bon. Rechercher. Graphisme 3D. V2. Toi, te faut un congé. Si j'ai bien compris. Exactement. Prends tes congés pendant que je fais ma recherche. Fabuleux. Allez, nouveau jeu. Thème. Histoire. L'URSS pour les nuls. Merde. Je vais trop vite. Ou alors, vu que j'ai fait les graphismes en 2D, je développe un nouveau moteur. Enfin, en 3D V2. Dialogue amélioré, meilleure expérience utilisateur. Alors, on a fait le Stalin Engine. On va faire le Gorbatchev Engine. Non, c'est Khrushchev d'abord. Le Khrushchev Engine. C'est Tipar. Il nous faut un nouveau moteur de toute façon. Super NES retiré du marché. Ça sent bon. Le Gorbat Engine. Non, Gorbatchev, on le fera plus tard. Développer un nouveau jeu. Donc, du coup. Donc, on a dit. Que j'avais dit comme nom de jeu. L'URSS pour les nuls. Parce que c'était un jeu d'histoire. Histoire. Stratégie. Histoire stratégie. Sur. PC avec le Khrushchev Engine. Mais j'ai pas mis Gorbatchev, t'inquiète pas. Je mettrai Gorbat. D'accord. Graphisme en 3D V2. Oui, c'est sur PC, ouais. Alors, bah, il faut de l'histoire. Histoire stratégie, voyons. Un moteur, un gameplay, meilleure expérience utilisateur, oui. Gameplay, je sais pas. Non, on va pas mettre de... Pourquoi tu laisses les anciens graphismes dans le moteur? Pour que tu aies le choix, en fait, des graphismes que tu vas faire sur ton nouveau jeu. Par exemple, tu peux faire un petit jeu en 2D si tu as envie. Et du coup, ça le permet sur ton nouveau moteur. T'es pas obligé d'utiliser un ancien moteur. Et tu auras toujours des trucs meilleurs dans le nouveau moteur. Par exemple, tu auras l'histoire linéaire, meilleure expérience utilisateur dans ton nouveau moteur, que tu n'auras pas dans l'ancien moteur, bien qu'en ayant de la 2D. Donc voilà. Moteur, on va mettre ça. Mais de toute façon, l'histoire quête, c'est super important. Intelligence artificielle, bah oui, quand même. Histoire stratégie, design du niveau, les dialogues, pas ouf. Je pense qu'on peut rester comme ça. Petit marketing. Euh,
Les sons, c'est quand même de l'histoire. Ce jeu-là, il pue. Mais non. Design du monde, graphisme, je sais pas. Je suis un peu... Le doute m'habite. J'ai jamais fait de jeu comme ça, donc du coup, c'est dur de jauger. Salut Rikiki. C'est très dur de jauger. En plus, j'ai plus d'argent. Du coup, c'est la merde. Mais il faut du design, je pense, parce que un jeu sans design, c'est terrible. On va baisser les graphismes, mettre un peu plus de design. Ah oui, mais non. Quel temps vous avez ? De la pluie. Une magnifique pluie. Bon, restez comme ça. Il crée un monstre. Exactement. Super NES n'est plus produite. 552 000. Ok. Bah, je sais pas, c'est peut-être aujourd'hui parce que je voyais la lune super grosse aujourd'hui. Il y avait des nuages, mais je voyais la lune un petit peu. Et elle était quand même assez grosse. Ok, il y a un petit engouement. Marketing. Ok, on perd de l'engouement, donc go. Ah, et le marché se stabilise. Ok, publié. Il a amélioré son stéréo. Ah, on a les stéréos. J'aurais peut-être dû attendre d'avoir les stéréos pour faire le nouveau moteur. Ok, nouvelle critique pour l'URSS. Jeu exceptionnel. Un bon jeu. Bon, c'est toujours la meilleure note, la première, et après ça descend. Histoire et stratégie font une superbe combinaison. Bon, ça c'était sûr. Hein. Et 8, très bon. Bon, ben écoutez, voilà. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Rapport sur le jeu. Go. On a 50 points de recherche. J'ai un ami qui travaille dans la féminiser la profession. Chant sponsor. Oui. Former. Non. Rechercher. Graphisme en 2D V3. 80 points de recherche. Monde ouvert. Cinématique simple. Monde ouvert. Rechercher. Cinématique simple. Il faut que je débloque des recherches. Hop. Nice. Alors, histoire stratégie, moteur semble être relativement important, correspondant à une plateforme genre PC stratégie, excellente. Très bien. Rechercher. Le multijoueur, l'IA améliorée, les sons stéréo, le multijoueur. De ce côté, on va rechercher maintenant un nouveau thème avec l'évolution. On va faire un SF. On va faire un SF avec un petit stand. C'est le moment où tu pleures pour ton stand à l'E3 1,5 million. Ouais, j'y suis allé peut-être un peu fort, en effet. Ça m'a coûté un peu cher, j'avoue. Nous avons Yvan que Poutine Soft apparaissement dans... Nous souhaitons toujours, en tout cas, avoir plus de e-girl dans l'industrie du jeu vidéo. Le son stéréo viendra plus tard. Servira pour le moteur. Développer un nouveau jeu. Est-ce qu'on ferait pas une suite de jeu numéro 15? Parce que jeu numéro 15 a quand même très bien marché. Ou alors de jeu numéro 8. Jeu numéro 8 ou jeu numéro 15? 9,75. Les deux se valent. On pourrait faire... Ah, je pourrais faire la suite de jeu numéro 15 sur PlayStation 2. Et ça pourrait être beau. Attendez. La PS2 n'est toujours pas sortie. Du coup, on va attendre. On va faire un nouveau jeu. Un jeu moyen, je pense que ça va coûter trop cher. Thème, donc science-fiction, action. Sur, donc l'action marche très bien sur... RPG, simulation, stratégie. Sur PlayStation. Le stéréo, je ne peux pas le développer, je n'ai pas de points de recherche encore. Je n'ai pas les points de recherche.
Je ne peux pas. Pour le moment. Sur le Khrushchev Engine. Donc, science-fiction, action. La tâche sur le front de Gorbat. Oh merde. Public averti. Oh, j'ai honte. Histoire quête, on s'en fout, le gameplay. Oui. Oh merde. L'URSS pour les nuls n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 112 000 exemplaires. Ah, c'est la tâche. Ah putain, c'est la tâche sur le front de Gorbat qui a le droit. Oh merde. Mais 67 000 personnes, c'est de la merde. Ah, un engouement. Oui, une interview, bien sûr. Accepté. Soyons modestes. Oh non, ça va être un super jeu. Ça va être un super jeu. On mise tout. On fait de l'engouement, on fait tout. On fait tout rouler. Allez, on y croit, Donf. Intelligence artificielle, design, les dialogues, on s'en bat les couilles. Non, ça va être le jeu de la vie. Ça va être le jeu de votre vie. Ça va se vendre. Les sons, les graphismes. Je pense qu'on va pas faire de conneries. On va mettre beaucoup sur les graphismes, un peu moins sur le son. Après, sur les graphismes, je peux mettre 100% là, comme ici. Mais... Allez, on reste là-dessus. Il y a un engouement de folie. C'est le moment. La Dreamcast. Ok. Oh putain, cet engouement. Oh la connerie. Sortir un jeu réussi dans chacun des 5 genres principaux. Mais ça veut dire qu'il est réussi. Si le haut fait vient de pop, ça veut dire qu'il est réussi. Huit, j'adore. 7, magnifique. Mais pourquoi tu mets pas un 10, connard? 7, expérience agréable. 8. L'accent mis sur la partie intelligence artificielle intervient servi sur le jeu. Très bien. Très très bien. Toi, tu vas prendre un petit congé. Tu vas faire... Donc je ne peux toujours pas rechercher les sons stéréo encore. C'est triste. Faire un rapport sur le jeu. Former. Ok. Ah, le Vladimir Poutine avait raison. Le jeu a reçu un accueil très chaleureux. Ah, c'est beau. Pour une rénovation, ouais, allez, on paye. On va avoir des nouveaux bureaux. Waouh, on est dans la technologie. C'est magnifique. Cher Poutine Soft, depuis que le 3 est devenu le plus grand rassemblement... Des concours de développement. Bah, très bien. Alors, SF et action, excellente combinaison. Histoire quête semble être ne pas important. Correspondance plateforme, excellente. Correspondance plateforme publique, bonne. Ah, j'aurais dû mettre tout public. Bon, d'accord. Ça m'apprendra. Rechercher. Le son stéréo, 40 points de recherche. Donc du coup, on peut faire un petit travail sous contrat. J'en suis là. Qui est largement abordable par nous. Ah ben non, j'ai pas de game designer. Du coup, c'est la mer noire. Ah ben non, ça passe pas. C'est terrible. Ça passe pas, un poil de fion. Du coup, énorme déception.
On a nos 50 points de recherche, donc du coup, c'est bon. Rechercher son stéréo, c'est parti. Train race contrat 2-17. Bon, là, c'est faisable. 2-17, c'est largement faisable. Stratégie soit particulièrement appréciée. Mais on va faire un jeu de stratégie. C'est pas un souci. C'est pas un soussail. Est-ce que l'URSS pour les nuls avait fait un bon score? Historique des jeux. L'URSS pour les nuls, il est sorti quand? M3 à 11. M11 à 11. Ça fait tôt pour une suite. Ça fait très tôt pour une suite. On va refaire un jeu d'histoire, du coup. Thème, histoire, stratégie. Tu fais développer le new jeu 15. La suite de jeu 15. Ouais, mais la suite de jeu 15, je t'ai dit que je voulais la faire sur PS2. Et je crois pas que la PS2 soit dispo encore. Non, elle est pas dispo. Je veux la faire sur PS2, la suite de jeu 15. Et je pense qu'il faudra attendre d'avoir mon nouveau moteur. Non, pas tout de suite, oui, voilà. Donc, du coup, un jeu histoire-stratégie, encore une fois. Ou alors... oui, dès que t'as l'astéroïde multi. Ou alors je fais histoire stratégie, gouvernement stratégie, comédie stratégie, romantisme stratégie, école loup-garou. Non, mais je vois pas que. Non, mais histoire stratégie. Il avait pas fini? Putain, le con, il avait pas fini! J'ai pas fait gaffe. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Le moteur. Oh, putain, maintenant, faut que j'attribue les trucs. Putain de merde. Oh, l'enfer du cul. Il avait pas fini, putain. Oh, je suis con. J'avais pas vu. Je suis débile. Je suis un idiot. Intelligence artificielle, je crois pas que ce soit nécessaire. Par contre, le design du niveau, ça peut être pas mal. Donc, on va mettre notre designer là-dessus. Mais je vais me mettre moi. Les dialogues. Non. Ouais. Et ouais. J'ai voulu aller trop vite encore une fois. Et là, je vais le sentir. Hein. Je vais vraiment le sentir. Ça va être un feu le hop. Son graphisme. Et c'est parce que j'ai fait un moyen jeu, donc du coup, je dois attribuer le travail, etc. Les sons sont assez importants. Les graphismes. Oh, il va être au bout de sa life. Ah mais non, mais je peux pas mettre SIP sur les graphismes, c'est pas possible. Bon, mais on va mettre Vladimir au bout de sa life, hein, tant pis. Voilà. C'est un follow-up. J'aurais pas dû faire un jeu moyen, j'ai été bête. J'ai été très bête. Gros échec pour la poutine soft. Oh, je suis crevé, je fais de la merde. Oh, quelle honte. Quelle honte. Et lui, il est au bout de sa vie aussi. Terminé.
Je vais accorder un congé à Gugus. Histoire ramifiée. Accorder un congé. La Dreamcast. La guerre froide, les critiques viennent d'arriver. Oh putain, le gros flop. Ouais, c'est un flop. Logique. C'est tout à fait logique. J'ai voulu focus stratégie et tout ça. J'ai fait un jeu moyen. Très mauvais choix. Très mauvais choix. Terrible. Vena Oasis sera retiré du marché. Okay. La guerre froide est terminée. Design du niveau semble être très important pour ce type de niveau. Ouais, voilà. L'équipe entière. Autopublié moyen. Jeu sera efficace. Que ce sera au moins 100k fans. Ouais, d'accord. Ouais, ben voilà. J'ai chié. J'ai totalement chié dans la colle. Ça m'a fait perdre énormément d'argent. Beaucoup d'argent. Historique des jeux. Encore ça va, je suis pas à perte sur la guerre froide. Il y a des jeux où j'ai été beaucoup plus à perte. Aïe aïe aïe. Petite recherche. Petit travail de Clodo. 74. J'ai peut-être abusé là. Aucune tendance particulière. Voilà, il y aura personne hein, sur le stand. C'est un follow-up. 75 000 personnes. C'est dommage, il est pro en technologie, mais ça passera pas malheureusement. Ah ! De l'espoir, c'est passé. Putain, un poil de fesses. Ça c'est bon. Ça passe large. Et on est pas mal, hein. J'ai envie de dire. 50-30 sur un design, ça le fera pas. Ça je le sais. Ok. Rechercher. Graphisme en 2DV3, IA améliorée, histoire ramifiée. Cycle jour-nuit. Concours. Non, pas ouf. On formera plus tard. La guerre froide n'est plus en vente, on a géré 1 million de recettes. Ça va. Ok, développe un nouveau jeu. Petit jeu. J'ai envie de faire un jeu pour les enfants. Fantastique. Aventure. Sur Dreamcast. Ça peut être sympa, ça. Oui. Le Krusty Avenger. Pépito au pays des merveilles. Non. Ah si. Dora visite la rue, visite l'URSS. Dora en URSS. Ah c'est beau. Donc nous développons Dora en URSS. Une petite expérience utilisateur serait pas mal, je pense. Une petite histoire, pas trop. Le moteur, pas trop non plus. On va rester sur un 25-25-75. Nouvelle recherche disponible, multigenre. Et on a de l'engouement qui se crée. Donc on va faire un petit marketing sur Dora. L'intelligence artificielle. Les dialogues doivent être assez... remarque, non. Fantastique aventure. Non, pas de dialogue. Shipper en sous-cablette.
Shipper, arrête de shipper. Tout à fait. Le son n'est pas important, donc on va mettre des sons basiques. On va mettre un peu de son quand même, des graphismes. Plus de design de monde que de graphisme, je pense. Et voilà. Petit coup de marketing encore ? Ah, j'ai plus d'argent. C'est fou ça. 12 bugs. Après, la licence de machin a dû me coûter cher. De la console a dû me coûter cher. Très bien. Nouveau record. Publié. Dialogue arborescent. C'est fabuleux. Ah, les critiques pour Dora en URSS. Oh putain, Fantastique et Aventure font une superbe combinaison. Et c'est encore un flop. C'est terrible. Nous allons terminer en faillite, mes amis. C'est terrible. C'est décevant. Ah, je suis déçu. 4,75 de moyenne, je m'attendais à mieux. On développait sur une nouvelle console et tout. Ah, la PS2 est sortie. Mais je n'ai plus d'argent. Alors, est-ce qu'on met tout? Écoutez. On va sauvegarder. Et on va tenter. Le jeu que la plateforme choisie ne soit pas au goût du public ciblé. D'accord. Donc c'était un problème de plateforme. Ok. 250 000 la console. Ouais, ben, grosse erreur. Le design du niveau semble être peu important. Correspondance plateforme, mauvais. Plateforme publique, jeune, mauvais. Bon, ben, j'ai tout foiré sur la plateforme. C'est très dommage. Je suis le PDG de Womomba Oil Limited au Nigeria. Je vous écris car je connais votre grande réputation. D'entrepreneur. Oui, 2,5 millions. Oui, bien sûr. Refusé. C'est un fake. Très bien. Donc, nous allons développer une suite. Mais il faudrait que je crée mon moteur avant. Ça craint. Parce que si je crée mon nouveau moteur, c'est pour mettre les sons stéréo. Et il y en a pour 450 000. Sauvegarde multijoueur, didacticiel, meilleure expérience, dialogue amélioré. Je peux faire des éditeurs de niveau, on s'en bat les couilles. Monde ouvert, cycle jour-nuit. Là, je pense qu'on est bien. On peut être bien là. Historique des jeux. Si je regarde, jeu 12. Jeu 15, pardon. Jeu 15, c'était un fantastique RPG. C'est jouable. C'est jouable. Bon, je vais être dans le rouge, hein, mais... action. Qu'est-ce que j'avais fait comme... c'était un action ou pas? Non. Fantastique RPG. Bon, on va faire fantastique RPG. Fantastique aventure, c'est bon. Je peux faire un jeu RPG. Mais on va faire la suite du 15. On va faire la suite de jeu 15. Il y a Dora en URSS qui me rapporte un peu d'argent encore. La Xbox. Très bien. La Xbox vient de sortir. C'est nouveau, ça vient d'arriver. La PS2. Votre code bancaire est dans le rouge. 200 000. Ah mais non, mais je vais faire faillite avant. Non, mais je me suis mis en faillite là. Je me mets en faillite. Escroc nigérien. Ah non, c'est foutu. Parce que... si je prends la... 350 000. This is not possible. Ça a fait une auto-backup. Oh l'enfer du cul. Bon, mais c'est foutu.
C'est la fin des haricots. Je me suis fait baiser la gueule. Je pensais pouvoir charger là où j'ai sauvegardé. Ben mon cul. Bon, on va faire un petit jeu. Genre un tout petit jeu qui coûte que dalle. Un million. Offre de la banque. Nous vous donnons... Ah mais je fais faillite là. Ah putain. Accepté. On est fou. On y croit. Allez, on met tout. On met tout. C'est parti. Allez. Jeu numéro 15. 2. Quoi, t'as vu? Il y a 3 minutes. Ah ouais! Bah, du coup, si j'ai la sauvegarde, c'est bon. Je vais tenter. Je vais tenter. Développer une suite. Je tente pour le beau jeu. De toute façon, je m'en fous. Je pourrais pas y rejouer. Jeu numéro 15. Suite. Plateforme. Play System 2. Oui. Fantastic RPG. Moteur. Le Gorbat Engine. Non. Jeu numéro 15. 2. Graphisme en 3D V2. Ça va le faire. Ça va le faire. Tout est là. Tout est là. Le multijoueur. Du coup, il faut mettre un poil dans le moteur. Le minimum. Les cinématiques simples, oui. RPG, l'histoire et les quêtes doivent être très très importantes. Le gameplay, on s'en bat les couilles. C'est bon, c'est pour nous. C'est pour nous. J'ai entendu que Putinsoft travaillait sur un nouveau jeu, bien sûr. Le jeu va être, le jeu va être magnifique. On va baser plus sur... Fantastique RPG. Sur les graphismes. Ok. Salut Sparks. Tu arrives pour la banqueroute. C'est magnifique. Les dialogues. Le design. On le met là. L'IA, on s'en fout. On met des dialogues améliorés. Petit stand. Je veux pas de stand. C'est possible? Je m'en fous. Je m'en fous de l'E3. Je veux créer un engouement. Marketing. Petit engouement. Non, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, c'est terrible. Les sons stéréo. 30 000. Oh là là. Oh là là. Le cycle jour-nuit, le monde ouvert. C'est super important. Il faut que ça sorte. C'est parti. On a un d'engouement. On a le temps de faire un petit coup de marketing. Je peux pas, j'ai pas d'argent. Allez, on y croit. On y croit. C'est le believe. C'est le dernier moment. C'est la fin. Non. Attends. Je vais être obligé de faire faillite. Nous allons vous donner 1 million pour couvrir les coûts. Nous attendons le paiement du montant intégral. Quoi? Attends. Nous voyons que vous êtes en difficulté, encore une fois, dans de graves difficultés financières. Nous sommes prêts à vous offrir un mini crédit. Nous allons vous donner 1 121 000 pour couvrir vos coûts. Et nous attendons que le paiement du montant intégral plus les frais de 56 100 un mois après la sortie. C'est parti. C'est parti. On y croit. On y croit. On fait un gros marketing. Petite campagne. C'est parti. Allez. Allez, on y croit. Allez, ça va le faire. C'est une suite. C'est une suite. C'est la suite de jeu numéro 15, 2. Celui qui a fait 9,5. Oui.
Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Ce n'est pas un flop, je suis le meilleur. Vous pouvez pas me tester. C'est moi le taulier. Je vais perdre tout l'argent que j'ai investi, mais c'est moi le taulier. Le coup de poker réussit magnifiquement. Nous allons faire un rapport sur le jeu, évidemment. Il est classé 7ème des charts. Oh, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Oh là là. Graphisme semble être relativement important pour ce type de jeu. Correspondance plateforme publique, Play System 2, tout public, excellente. Que dire de plus? Bon, 1 million a été prélevé sur mon compte. Hein. Poutine Soft nous surprend à nouveau avec un jeu très agréable. Ce jeu ne fait pas que raconter une histoire. Non, il est si immersif que vous avez l'impression de réellement prendre part à l'aventure. Résumé, le meilleur jeu qui soit, Arnie Kunkel Electric Games. Money. Et bien voilà. Du coup, toi, tu vas prendre un petit congé. Tu as bien travaillé. Je te félicite, Sbir Sip. Et nous, on va se retrouver après 5 minutes de pause. Allez, à tout à l'heure. Ah, c'est magnifique, c'est beau. Je suis trop fier de moi. Je suis le meilleur. Allez, à toutes.